What's up mes pépites de chocolat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester les vêtements de chez la boutique officielle, donc que j'avais commandé. Waouh, comment je bug dès le début, c'est chaud. Que j'avais commandé chez la boutique officielle pour mon anniversaire en fait. Donc vous avez fait le déballage entre guillemets, vous avez montré un peu les détails. En fait je me suis dit pourquoi pas le faire en 3 vidéos. Genre faire le déballage, montrer un peu les détails, ensuite tout simplement les tester pour voir ce que ça donne, et puis pour tester les matières et tout. Et après pourquoi pas faire un lookbook pour différentes tenues que vous verrez un tout petit peu à l'avance avec grâce à cette vidéo, mais que ce soit moins stylé puisque je parlerai en même temps et ça sera pas sur des fonds, etc. La campagne, la ville, le street, le workout, non, ça a aucun rapport. et donc voilà, je me suis dit bah pourquoi pas faire ça, ça peut donner du contenu en plus, et pourquoi pas vous faire plaisir. Donc on va commencer avec le premier t-shirt Six June, donc le haut bleu corail. Moi je trouve que c'est le bleu corail, et puis bah à tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le premier t-shirt Six Jean avec un petit joli logo, un joli petit logo juste ici, et avec un effet arrondi, donc plutôt cool, que j'aime beaucoup. Effet pétale qui marche vraiment pas mal sur ce t-shirt. Il est souple, pas trop rigide, il est très fin. Donc ça pour l'été en plus c'est une bonne couleur. Donc j'ai pris du M, c'est pour ça que c'est un peu plus ample et que ça descend un peu plus que la normale. Parce que c'est ce que je voulais avec le t-shirt camel que je mettrai juste après pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup la matière, il est très très frais. Je trouve qu'il est très très frais, la couleur met de bonne humeur, ça... Tu te sens bien dedans, tu te sens bien, t'es à l'aise, voilà, t'es aucun problème. Ça, pour l'été, c'est nickel, c'est vraiment nickel. Donc voilà, je fais un petit tour. Voilà, plutôt pas mal, vraiment stylé de ouf. Donc bah là, je vais prendre directement le deuxième t-shirt de chez Six June, couleur camel. Après, c'est vraiment une couleur qui passe vraiment très très bien en ce moment. Je sais pas pourquoi c'est la mode. Ça, j'ai pris du S. Si je me souviens bien, je vais vérifier quand même. Ouais, j'ai pris du S. Donc on va le mettre tout de suite. Mais j'espère vraiment que ça va donner l'effet que je voulais. Hein. Parce que sinon, je vais être grave déçu. Ouais, non, déjà, ça passe pas. Déjà, ça passe pas. Ah si, ouais, légèrement. Je voulais que ça descende un peu plus. Mais ça va. Je pensais que ça allait être moins que ça. Ouais, ça va, franchement, ça va, ça passe bien, ça passe vraiment bien. Donc ça, c'est pareil, là, au niveau de la matière et tout, c'est vraiment pareil, c'est aussi frais, c'est... Voilà, tu te sens bien dedans, c'est vraiment plutôt pas mal. Par contre, c'est assez... Celui-là, non, mais le bleu colle assez vraiment au cou, donc ça, c'est un peu dommage. Je sais pas si vous voyez bien de loin, en fait, parce que... je sais pas comment la caméra apprend, en fait. Voilà. Donc, et ça peut donner une tenue complète. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez un peu l'effet oversize ici. Donc, là, c'est coupé. Donc, le devant est un tout petit peu plus court que le derrière. Voilà. Les manches, je pourrais pas dire trois quarts parce que ça serait pas vrai. Mais arrive au niveau du coude, donc au niveau de l'articulation. Donc, moi, ça va un peu me gêner. Il va falloir que je m'y fasse parce que j'ai pas l'habitude de ce genre de t-shirt là. Mais sinon ça passe vraiment plutôt bien. Je suis très content en fait. Très très content. Je suis agréablement surpris, je pensais pas que ça aurait donné ce côté là. Et puis en fait tout compte fait, oui. Je pensais que ça allait le donner en le voyant sur le site. Après en le voyant en vrai, ça m'a paru très très court au niveau des manches. Et très très long au niveau de la longueur tout court. Et en fait non, c'est super. Donc heureusement que j'ai pris du M pour celui là pour que ça passe très très bien. Et voilà, tenue avec petit bracelet ici que vous pouvez voir un peu de loin de Icon Brand, donc 19 €, vous pouvez trouver chez la boutique officielle. Et petite Casio en or vite fait, voilà, je refais tout doucement. La vidéo va pas durer très 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 longtemps parce que j'ai pas non plus 36 000 vêtements. Le vêtement de musculation, donc le débardeur de musculation Venom,
Je vous avais présenté aussi, je vous l'ai montré sur moi juste après, derrière la vidéo, si vous l'avez regardé entièrement. Après, il y aura juste le sweat rose et puis la casquette avec pour la prochaine tenue. Donc voilà, enfin, c'est même pas une tenue, c'est juste pour tester le vêtement. Donc voilà. Donc je trouve vraiment que c'est stylé. Allez, on passe tout de suite au sweat. Pourquoi ? Alors, j'ai pris taille S, si je me souviens bien, je suis vraiment plus sûr. Ou M, faut que je vérifie. Dans les deux cas, c'est pas normal. Regardez la manche trop longue. Manche trop longue et bras trop serrés. Et ça, c'est pas du tout normal. Ça devrait être le contraire. Il devrait y avoir la longueur juste au poignet. Et la largeur juste pour les bras. Parce que là, c'est assez... Enfin, franchement, sincèrement, c'est vraiment pas pour me la péter. Ou... Enfin, j'ai même pas à me justifier quoi. Hein. Mais sachant que je suis pratiquant de fitness. Et que je vais forcément prendre plus de muscles au fur et à mesure. Ouais, là déjà, voyons que c'est assez chaud. Voilà. Et là, je force pas. C'est assez compliqué. Ouais, c'est assez compliqué. Sinon, malgré ça, bah, on peut remonter les manches facilement. L'aspect, enfin, la matière à l'intérieur est pas terrible. Ça gratte un peu. Je sais pas ce qu'ils ont branlé à l'intérieur. Sinon la coupe elle est impeccable, voilà, elle est vraiment stylée de ouf, ça fait une bonne tenue. Les petits trous et tout, donc ça, oula, ouf, je me suis fait une frayeur, j'ai cru que j'allais taper dans le meuble là. Bon excusez-moi, là j'ai eu un petit moment de frayeur et de faiblesse aussi, de faiblesse. Clemento le fragile. Je vais un hashtag Clemento le fragile en commentaire, obligé. Donc ouais, donc mettez un petit t-shirt en plus si vous voulez pas qu'on voit votre peau, etc., etc. Ici par exemple, ça peut être dérangeant pour certaines personnes, dont moi-même. Donc voilà. On va porter la petite casquette qui va bien avec. Voilà, de chez Van Dutch. Là moi j'ai les cheveux hyper longs, donc c'est pas simple à porter. Hop. Voilà, et là on est paré. Là où nous sommes. PNL. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. Mais je sors tellement de la merde. Je me donne même pas raison. J'ai envie de me tailler moi-même en fait. Voilà, ça fait plutôt bof avec la casquette en fait. Au moins, à moins que je l'ai mis. Je sais pas, elle est bizarre en fait à porter cette casquette là. Comme elle est pas haute au niveau du crâne, c'est assez bizarre. Puis là ça fait genre mec de la strict gros cassos. Donc voilà, non franchement je suis plutôt content, satisfait de ma commande. Même si voilà là ça va pas au niveau de la longueur, au niveau de la grosseur et tout, alors que ici ça va bien, c'est assez ample, je comprends pas pourquoi les bras, voilà quoi. Je veux dire, on n'a pas tous des bras de crevettes. Voilà quoi. Je dis pas que j'ai des gros bras et tout, mais je veux dire, je suis pratiquant de sport, donc j'ai. Par rapport à quelqu'un qui fait pas de sport, j'ai des plus gros bras, ce qui est normal. Mais après, je comprends pas le délire des marques. Pourquoi ne faites-vous pas comme à l'ancienne, quoi? À l'ancienne, il n'y avait pas de problème de taille et tout. Je comprends vraiment pas, il y a un problème. Donc bref, je vais pas faire la polémique, etc., etc., parce que j'en fais déjà assez. Je fais déjà assez de débats sur les délires comme ça. De toute façon, j'en parlerai sûrement à des mecs du groupe. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très très satisfait quand même, malgré tout. Et j'espère vous retrouver dans quelques semaines, ouais, quelques semaines pour un lookbook de différentes tenues avec ces vêtements-là. Ça pourrait être vraiment très cool. Donc voilà les pépites de chocolat, j'espère que vous avez kiffé, en tout cas lâchez la dose de commentaires, ça fait vraiment plaisir à la famille. Et lâchez beaucoup de likes, partagez aussi à vos amis pour vous puissiez voir un peu les vêtements qui sont à la mode en ce moment. Et puis voilà mes pépites de chocolat, je vous dis à très très bientôt, je vous kiffe à la mort.